Salut à tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FTL. On continue nos vaisseaux en hard, nos pauses. Et aujourd'hui, on part sur le Slug B. Vaisseau qui n'est pas encore fait. Donc, le Slug B, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 3 slugs. Très confort. L'ATP est très très sympa. Par contre, au vol notre en termes d'armes, ce n'est pas terrible. Nous avons que la bombe curative qui permet de soigner nos mecs et l'Artemis pour faire des dégâts. Nous n'avons pas de laser au départ. Donc, il va quand même falloir corriger ça. Assez vite. On joue en difficile, en oppose avec le gélimation auto-réparant qui permet en gros nos brèches vont se réparer toutes seules. C'est sympa, mais on le vendra au besoin. Alors, je pense qu'on va tenter d'opti la TP. Alors, la difficulté à TP, c'est qu'il faudra faire attention, mais la bombe curative devrait normalement nous assurer. TP in, c'est bon, c'était si ma mémoire est bonne. Bon, on peut faire ça. Oh, ça a marché vu que c'était le premier jeu. Bras réparateur, donc chaque fois qu'on récupère de l'argent, on va se soigner. C'est ça. Alors, vous l'aurez peut-être noté aussi, hein, c'est la particularité du vaisseau, il n'y a pas de medbay ou de clone bay. Donc, vraiment, le seul moyen qu'on a de se soigner, c'est les bombes curatives et notre armement dépend des missiles. Donc, autant vous dire. Ils nous font un laser assez vite. Oula, mettre B assez vite. Les rebelles nous attaquent. À l'aide par pitié, vous ne serez pas surpris que les rebelles qui ont détruit sont toujours en coin. Cherchez le vaisseau rebelle. Alors, le problème de ce vaisseau-là, c'est qu'il va nous coûter cher en missiles pour le détruire. Ça, c'est relou. Mais il y a quand même possibilité de double récompense en début de partie. Il nous coûte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va compter combien on en mise 2. Ça nous fait 10 missiles. C'est vendu. On va détruire ça. Retournez à vos postes. Normalement, il y avait quelqu'un dans l'esquive. Je n'aime pas dans ce. Ok. Alors le problème de ça, c'est que ça va nous coûter un healing quelque chose pour soigner de ce feu. Donc ça, c'est un problème. Mais... Ah, l'Artemis fait 2. Exact. J'avais oublié ce détail-là. Des canons normaux 2. Bon, c'est bon. Donc, en fait, ça va nous coûter beaucoup moins cher en missile que prévu. C'est une bonne nouvelle. Fouiller la station qui a besoin de soins était abandonnée. Rien d'utile. Ok, c'est dommage. Pas de double récompense. La sortie, elle est reliée. Ouais, par là. On peut faire ça et avancer un peu plus dans le secteur. On utilisera la bombe curative une fois qu'on aura TP. Ah, dommage. Alors, ils peuvent pas se soigner, ça c'est cool, en plus c'est des NJ. Fout le bordel. Par contre, il va falloir faire tomber le. Alors, la bonne nouvelle c'est que c'est quand même des NJ, donc ça devrait quand même. La mauvaise nouvelle c'est qu'on a. Jackie la mitaine, faut les réparer ça. Oh putain. Ok! Ok, vite! Vite, vite, vite! Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est des NJ, donc il y a une probabilité quand même qu'on ne meure pas. Ah oui. C'est vrai qu'on a une ouverture là. Ça passe. Oui. Oh, large! Large. Oula. Le gel limaçant va te laisser faire ton travail. Ok. Mais ben voilà, on est pas mal. Bon, heureusement que c'était des NJ, sinon on était cuit. Parce qu'on pouvait pas lancer notre curatif pour nous soigner. Et perdre des membres d'équipage à ce niveau-là, c'est terrible. Faut que je fasse gaffe, c'est vrai qu'il y a une possibilité de. D'éviter l'air. Alors se pose une question, est-ce qu'on veut faire la vidange d'air maintenant? Le problème qu'on fait si on fait ça, c'est que s'il y a un feu, c'est cool. Mais s'il y a une bombe. Qui fait une brèche, enfin tu vois, s'ils prennent juste des dégâts, c'est la merde.
Si on prend une bridge bomb, par exemple, c'est une catastrophe puisqu'il n'y a plus d'oxygène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se regrouper tous ensemble. Tant que je suis un connard. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et là, hop! Voilà, tout le monde est soigné. Vous, votre place, ça doit être là quand même. Je pense que je vais vous assimiler là. Le vaisseau automatisé, côté d'un soleil, tiens. Non, j'ai mis ce clic. Ma souris déconne un peu, donc ça peut être un peu épicé. Si je mis ce clic. On va faire ça pour mesure de sécurité. On va essayer d'optimiser ces petits sauts là parce que on n'a pas trouvé de deuxième boutique, ni de première boutique d'ailleurs. C'est un peu la misère. Hein. Attention, mais apparemment les rebelles ont trouvé avant vous l'endroit désert hein. Et vous les coupez avant de partir. Oh, there is a boutique. Est-ce qu'on a dans notre. On a quoi dans la cale? On a le bras réparateur qu'on peut dégager. Le problème, c'est que si on fait boutique, on fait sortie derrière, quoi. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus de sauts. Parce que là. Ouais, par contre, si c'est des sauts vides. There is a mantis, but there is only a mantis, so. On va juste mettre l'Artemis là-dedans pour. Voilà, comme ça il n'y aura pas de rame. Alors ça se discute de mettre l'Artemis dans le pilotage pour être sûr de toucher avec notre bombe curative, parce que notre bombe curative peut rater, hein, sachez-le. Mais. Non. Si on préfère quand même dans les armes s'assurer qu'il n'y ait pas de drame. Faut attaquer les pirates. Hein. Oh, deux mantis! Oh, ça va me faire mal ça. On va attendre que la curative charge un peu. Faut aller réparer le shield, mais. Ok. Vite. Est-ce que la curative aura le temps de charger? Non! Non! Je l'ai touché mes armes! Bon, bah, c'est un reset, les enfants. Et alors il y avait un monde où plutôt que de le mettre dans le shield, je le mettais dans les armes pour qu'il charge plus vite. On a fait un au fait. Si on va dans toutes les salles du vaisseau ennemi sans aucun capteur en état de marche. Ok. C'est un échec. Bon, ce n'est pas grave. Mais ouais, c'est un peu le problème, c'est que si la curative tombe, bah, tout le monde meurt du coup. C'est les joies de ce petit vaisseau. Bon, on n'avait pas un premier secteur incroyable, on avait juste le bras qui était cool, mais le reste. Le problème, c'est qu'il y a une mètre B et ça m'emmerde. On va juste tirer un missile d'abord. Puis on y va. Ah!
mais ça m'emmerde. Il faut faire tomber la medbay, sinon ils vont soigner en boucle, ça sert à rien de TP, mais... Oh, avec le petit feu, là, il va y avoir une bonne ambiance. Ah, venez là. Petit missile dans les armes. Allez, petit missile dans les armes. Zut. Allez, missile qui touche pas, qu'on a besoin qu'il touche, c'est un problème. Un excellent premier combat. On a juste pris 90% HP, mais on a pris si cher. On peut se... J'ai pas envie de soigner, je préfère. Quoique non, parce que là ça ralentit le temps nécessaire à la curative. Non, ah merde, j'ai pas réattribué de place. Décidément, on est un peu brouillé dans cette partie. Hop, ben juste un petit alt-tab, voilà, vérifier que là ça s'enregistre bien. Bon. Alors là, je le sens mal. Je pense. On va choisir la solution offensive. Bon, il va TP, on va essayer de l'accueillir. Ok, non, je suis là. Ah, les portes sont endommagées. Première nouvelle. Oui, bah, je te regarde. Bon, là, normalement, il meurt s'il y a un petit caillou qui tombe, donc on va essayer d'économiser un missile. Et c'est perdu. Oh non, il n'y a pas de boutique, c'est vraiment des secteurs déserts. Plutôt là du coup. Et un feu. Oh, c'est un secteur là, c'est formidable. On pourrait TP, utiliser une curative pour se soigner et re-TP back, mais ça coûte du missile et des missiles on en a pas beaucoup. Surtout que si ça rate, si la curative rate comme là le missile, c'est une catastrophe. Vite! Non! Vie de merde. Non, non, non. Non, non. L'Artemis devrait peut-être être trompé, je sais pas. Où sont les flammes? On sait pas. Il a combien d'esquive? 200% ou... Allez, on y va. Putain, il vise juste, hein. Oh ouais, non, mais là... Je vous l'annonce, c'est... On recommence. Putain, le mec chirurgical, hein. Il a tiré dans mes shields avec ses missiles ou dans mes armes. Il a pas tiré ailleurs. Ah, bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est quand même plus important d'avoir la curative en 1 parce que si elle tombe lorsqu'on aborde, c'est une catastrophe. Allez, on y va, les enfants. Vas-y. Meurs de décès. Petit Artemis pour accélérer le processus là. Voilà. Ah, regarde. Il tente de s'enfuir, d'accord. Attention à pas parce que mes mecs meurent pas, mais normalement le vaisseau est pas en feu donc. Missile Hermès, oh. Oh.
La belle prise. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Et il y a une boutique, donc on va faire ces deux sauts là, une toute boutique. Si on arrive à gagner un peu d'argent, le Hermès est très très fort, il fait beaucoup de dégâts. Pas les armes. Oh, le shield c'est pas beaucoup mieux. Faut down ça et après on défonce les. On défonce les armes. Ouais, c'est un peu greedy de faire ça. Hein. Bah, dès qu'il y a un souci dans le vaisseau, c'est une catastrophe. Oui, voilà. Un peu de down le hacking en vrai. Bon, on a eu un peu de la chance quand même sur l'esquive. On a esquivé les deux. En même temps, ce qui était quand même très cool surtout, c'est qu'il y a le petit missile là qui nous gratte des points de vie à chaque fois. Sept balles, mais c'est énorme. C'est automatisé. Cloaking. Cloaking, ça va. Faut juste que je sois réactif sur mon. Réactif mais pas trop. Qui est le plus dangereux? Il va mettre un petit missile dans les armes quand même. Ok, good. Jackie, tu peux aller là en vrai. Je n'aime pas trop ce que vous faites. Hein. On va le soigner parce que s'il y a un drame et un des tirs qui part dedans, il me gonfle. Hein. On a le temps d'avoir le temps. Le Hermès c'est décalant 3, il fait possible trou dans la coque, feu étourdissement. Je sais plus si c'est élevé ou pas les chances qu'il fasse un des 3. Le Hermès c'est assez fort quand même. Hein. En termes de missiles, si on veut continuer à jouer missile, le problème c'est que. Ouais, il nous faudrait le réplicateur explosif et là on discute mais. Oh oui! Oh là là là! Oh celle-là! Elle part bien cette partie, je vous le dis! Salle des clones, contrôle de drone, batterie de secours. La clone B très très forte. Avec notre TP, on peut en train de nous débarrasser un peu de cette bombe curative. Qui nous ennuie. Alors attends, lui, il manque 2 d'énergie. Donc il faudrait 60. Pour 60 pour le mettre en ligne. Ce qui fait. Soit on les a les 60. Mais il nous faut. Peut-être Clone B est quand même vachement forte. Avant maintenant, je pense. Ça c'est bon. Ok. Jusque là on est bon. Maintenant la question c'est il nous faut l'argent. On peut se battre avec le Artemis pendant encore quelques fights. Vendre le gel Lima, ça c'est sûr. Vendre le Hermès, ça c'est sûr. Ok. On peut se battre avec l'Artemis le temps de trouver de quoi mettre le Burst Laser 3 en ligne. C'est pas la meilleure arme le Burst Laser 3 mais c'est quand même un confort de. Puis surtout là on peut TP sans vergogne. Et ça c'est bien. Mmh.
Formidable. Non. Inspire aussi une vie à bord. Excellent. Alors avec la TP, les breach bombes sont assez fortes pour vraiment se débarrasser d'un système de heal, etc. Mais la TP, on peut aussi la jouer plus en mode disruption. On TP, ça fout le bazar dans le vaisseau, tout le monde court à gauche et à droite. Et après on s'amuse. Oh oui, oh, le réparateur de coupe, très très bon drone qui se vend surtout très très cher. Une bonne run pour l'instant. Le scanner indique qu'on va se dérouler loin de là. On va se porter au secours du vaisseau civil. Vaisseau civil. Basse laser de. C'est la mer. Il me faut quelqu'un dans les armes et quelqu'un à l'esquive. Vite, vite, vite. L'oxygène, c'est. On va garder ça en ligne parce que je suis capable d'oublier de le remettre, donc si on peut se barrer, je pense qu'on se barre, hein, mais le vaisseau est horrible en face. Aïe! On n'a pas les boucliers! Vite! Vite les boucliers! Oh, les boucliers! Et merde! Ok, c'est une catastrophe. Bon, du missile, du missile, du missile. Tant qu'on a du missile, on claque du missile. Oh, le burst laser 2 de connard. On va vous petit suicider, c'est pas grave. Si vous faites la réparation avant de mourir. Et non. Contactez le vaisseau civil. Votre coque est réparée de 5 points. Tout est pardonné. On a 100 balles, c'est cool 100 balles. Est-ce que ça nous permet de le mettre en ligne? Je crois que ça nous permet de le mettre en ligne. Hein. Alors, ça nous permet sur une certaine limite. Il manque encore un peu d'argent. Ok, ça c'est plan cul. Un vaisseau bon pour ouvrir des pirates gravides autour. Les vaisseaux va prendre. Ce que nous on nous a marré, monsieur, mais je sens que nous avons intérêt à acheter quelque chose. Ça ouvre un shop du coup. Ok. Ah, c'est dommage, en fait, tant pis, bon voyage. Oh les bâtards. Bah, je vous l'annonce officiellement, nous n'avons plus de. Nous n'avons plus de moteur. Et des Burst Laser 2, vous en voulez combien là? Parce que. Faut se donner une partie de leur marchandise si vous ne trouvez pas leur vaisseau. Oh, c'est mort! Est-ce qu'on a le temps de TP ou pas? Là, ça a l'air bon.
Je pense que TP on va oublier. On doit y avoir de... Ah, faut réparer l'oxygène les enfants. Vite, 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 vite. C'est la merde. Vite. Ok, c'est bon. On est sauvé. Prends un peu de temps à... Ah! Ah putain, ma souris qui déconne. Hein. Il va être temps d'investir, je crois. Et voilà. Bon, on a pris un peu cher, mais... Hein... Alors mes limaces de combat c'est bon, on va dire que ça va à peu près. Ça, on se régène petit à petit donc on fait ça parce que du coup ça nous permet de mettre le laser rafale en ligne. Ce qui est quand même du confort. Si on peut pas TP. Sous contrôle Zoltan, sous contrôle Mantis. Mantis c'est beaucoup de TP, beaucoup d'agression. Zoltan c'est beaucoup de bouclier, ça c'est relou. Et tant pis Zoltan. Je pense l'agression on n'a pas trop envie. Même si on a des TP nous. Ok, nébuleuse. Mais l'armement qu'on se prend. Elle fout le bazar. Alors, je suis d'accord qu'il nous faudra un deuxième film, mais quand même. Ah, on nous a calmé un petit peu. Du bon loot, mais... Après, c'est la boutique pour repartir. Hein. Oublié quoi. Ah, la lance-missile. Le lance-missile, on peut commencer par ça déjà. Quoi qu'on va plutôt faire ça. Il faut que quelqu'un se fasse one shot par un missile là. Eh bien. Oh la catastrophe. Ah plutôt le 2 du coup. On va TP. On va d'abord réparer le 2 quand même. Non, pas la clone B. J'ai peur. Ah, on prend si cher des missiles. Il y avait une... On aurait peut-être pu se mettre la Artemis quand même. C'était une remarque pertinente.
s'activer automatiquement? Eh bien non. Défense antipersonnel, rayon, piratage, infirmerie, contrôle de drone. Deuxième bouclier me paraît assez urgent. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. On peut déjà le préparer en soi. Et c'est dans la to-do list, quoi. Bon, faut qu'on exploite les nébuleuses aussi, sinon. Je crois qu'on est bon, du coup. Tiens, vous attendez là. Après, on va aller au chute, de toute façon. Alors, Zaya veut clone B, so. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un équipage un peu plus punchy, tu vois. Il nous faudrait des limaces, il nous faudrait. Des mantis, pardon. Regarde nos limaces, putain, les galères à tuer quoi que ce soit. Le grand œil. Or, le grand œil, c'est souvent du scam. Hein. Alors, si on fout deux shields, on est invincible. 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes. Ils ont une clone B. Si j'enlève tout, je mets dans les armes, ça passe. Ok, alors on va avoir un problème d'oxygène. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir. Sinon on met là et le temps que l'arme est désactivée, on met de l'oxygène. Ok, là vous voyez l'arme est désactivée, donc on va mettre un peu d'oxygène histoire de ne pas décéder. Est-ce qu'on la redarme? Formidable. J'ai eu chaud. J'aurais pu safeiser le truc, mais. C'est important d'avoir l'arme prête toujours. Clone B, on devrait pas trop en avoir besoin, quoique. Ok, good. Bien joué l'équipe. Il nous faudrait la banque d'ADN. En fait, il nous faut trop de trucs. On n'avance pas, quoi.
Un sur 500 balles sur le jeu, la balise d'attaque. Et bah c'est super. Et en plus il a que mes armes, j'ai envie de canner. Faut faire sauter le hacking du coup. Va me falloir l'oxygène à un moment aussi. Y'a qu'un laser donc on peut faire ça. Oui, on va dans le hacking, ok. Bon. On va s'emmerder un petit peu. Est-ce qu'il a le temps de réactiver son hacking avant que mon arme tire? Je pense pas quand même. Ok, good. On gagne vraiment rien en hard, c'est ça va être dur. Hein. Détresse, bon. On va se mettre ça, comme ça tranquillise un peu notre build. Un pulsar. Ok. Ça me va. Oh, il y a un drone de défense. Oh, ça c'était pas prévu ça. Il y aura pas de TBE avec les enfants. Ça peut tellement être la catastrophe si ça tombe là-dessus là. En vrai, c'est un bon deal, j'accepte parce que. Vous voyez, si ça avait tombé sur la clone B durant le clonage des deux là. Oh, quelle partie technique. Le problème c'est que ça c'est lent à charger. Si on avait un pré-igniter, ce serait incroyable, mais. Ça c'est un peu la galère. Détresse into boutique. Le problème. Bon déjà celle-là. On s'en sortirait ça. Bon, sur ce système, on s'en sort. Boutique, détresse, et on se casse parce que sinon. Sinon, il faut dive. Alors, dive sur un. Là, il n'y a pas d'ASB, donc c'est plus facile, mais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de cloque. Et on a deux en esquive, donc autant dire qu'on n'est pas rendu en moteur. Pardon, contrôle de drone, capteur, contrôle mental. Bras réparateur, recharge d'antique, arme furtive. Pour le Chris, on va juste reprendre quelques points. Y a rien qui justifie un. Demandez à votre limace d'évaluer la santé mentale de l'homme. Faut mieux le laisser tranquille. C'est vrai qu'on avait une clone B donc on aurait pu faire prendre le risque de le mettre à bord. Mon natal des nantis, nébuleuse inexplorée. Peste ou choléra. Bon, les mantis je pense ça peut être une catastrophe parce que.
tenter les nébuleuses. On a des limaces, c'est peut-être bien quand même. Attaquer les pirates! Est-ce qu'il y a du soin? Ils ont de l'huile, ces petits cons. Oh, on l'a eu en plus. Oh oui, formidable. Alors qu'il se déplaçait vers sa medbay. Là, il me tourne TP. Le sommet. Est-ce qu'il meurt des lasers? Oh oui! Ok, ça c'est bon pour nos affaires. Toi tu vas aller dans les armes. Alors les Zoltans on les préfère dans les boucliers. Mais là on a encore besoin du personnel pour TP. Yes. Est-ce qu'on tente une TP? Le problème c'est qu'il y a une bombe. Oh, il est long son camouflage. Le problème c'est qu'il y a une bombe. C'est une firebomb. C'est une bonne info parce qu'en fait on va vider l'oxygène à peu près partout. Voilà. Ce serait bien de d'armes parce que lui. Ça au bout d'un moment ça peut. Je crois que ça peut faire tomber un double shield. Mesure de sécurité. Voilà. Ça faisait que c'était un contrebandier. On va attaquer les pirates. Oh, il est bien armé mon contrebandier quand même. Mais il n'a pas de clone B ou de med B. Esquive. Aïe 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 aïe, c'est esquive pas. Et c'est en feu, donc on va. Ah oui, magnifique. Alors, on peut tirer quand ils sont encore dedans? On va peut-être vous tuer. Hein. Ah non. Dommage. Parce qu'on va probablement vous suicider là, je vous avoue qu'à 4 HP, c'est pas. Après, une téléportation curative? Ah, il risque de brèche. Pas trop grave qu'il y ait une brèche ici. On peut la laisser. En vrai, on pourrait laisser vide d'air là. Parce qu'en soi, en fait, s'ils TP là, ils sont déjà dans des zones où il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est quand même très value. Et il n'y a aucune raison que nos bonhommes ils se déplacent là. Donc, oh, on a la carte. Boutique, mais elle est toute seule. Sinon, plus de boutique. Ça oblige à faire un saut mort la boutique. Mais
Boutique avec 88, ça peut être. Contrôle de drone, ça peut être. Je pense qu'il faut la prendre. Parce qu'après, on va pouvoir optimiser nos sauts. Ça nous fait un saut vide dans l'idée. Parce qu'on va repasser pour une balise qu'on connaît déjà. Mais ça peut être bien. Contrôle de drone. Batterie de secours, contrôle mental. Arme! Ouais, on a pas de quoi acheter. Aïe 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 aïe, imagine un arc-active. Bon, c'est pas grave. Menu, on continue. Et on se permet, voilà, pour avoir le défense. Trône de défense, même si ça coûte un petit peu plus cher. Ça vaut le coup. On dit au revoir à nos armes actives. Hein. Mais voilà, au moins on a le drone de défense et ça c'est cool. Temps d'attaquer, je crois que ça me tente de l'attaquer. Hein. Oh, on va s'occuper un peu de lui, je pense. Et encore une fois, les Burst Laser 2. C'est pas trop grave. Ça serait bien mon chili. Ouais, mourir en boucle, c'est pas grave. Je le déteste. Viser le drone. Go! Est-ce que j'accepte ou pas? J'ai peur qu'ils s'enfuient. Après, j'ai encore 3 tirs qui arrivent, mais. J'ai pas de quoi TP back. Je vais pas avoir de tir assez rapide. En fait, où va lui? Lui, il a fini les armes, donc il va aller au pilotage. Ça fait un moment que le combat est dur. Il y avait que 2 tirs, donc on pouvait pas tuer à ce coup-là. Je pense que c'est le bon choix. Je suis pas sûr que ce soit le bon choix, mais je pense que ça l'était. Il faut réparer là aussi. Oui. Ah, au poste. On aura une TP un peu foireuse, mais. TP, Medbay, ces armes ont pas l'air si fortes par contre. On a le temps. Il tire. Ouais, deux, c'est ça, deux lasers lourds. Ça, c'est extrêmement fort comme arme, mais alors. Hein. There is pas d'oxygène, but tu as. Il a stun son pote. C'est gentil de sa part. Il est encore stun? C'est long là. Après tu me diras, ah oui, il y a stun bomb, c'est long. Allez, on y va. Alors, le truc c'est qu'il faudrait. Merde, putain, c'était le soin qu'il fallait viser que je suis bête. Je voulais faire un truc, en gros, si vous désactivez l'arme en cours de route, ça arrête ses tirs. Donc si votre laser il va tirer 5 et que vous le désactivez en plein milieu de sa rafale, il fait que 3 tirs. L'idée c'était de ne pas tuer le vaisseau, mais là. J'ai un peu foiré mon coup. Enfin, j'ai pas visé la bonne salle. Tant pis.
L'erreur est humaine. La persévérance est diabolique. D'accord. Bah du coup, c'est super, mon drone de défense, c'est super rentabilisé là. Putain, la seconde où je l'achète, il y a plus de... Zeris, plus de missiles quoi. Bah faut réparer ça. Hein. Tu tues ? Eh, pas mal. On va mettre une petite rafale dans la mâchoire, ça va le calmer. Voilà. On a réussi nos petits combats. Est-ce qu'on veut... Là, il va nous falloir un moment améliorer l'armement. Enfin, l'armement devrait faire encore pendant un petit moment, mais... Ça, c'est pas des points perdus. Ça peut être bien aussi. Effectuer un... Ça améliore le système pour passer au pilotage magique qui esquive même son pilote. Le générateur qui charge plus vite, c'est quand même très très glamour. Parce qu'en cas de besoin, on peut se barrer. Et c'est un peu l'assurance de pas mourir comme un con. Moi, j'aimerais bien ça, ça, et après les petits sauts qui sont là. Bon, là, c'est probablement un saut vide. Oh, bon, on attaque les contrebandiers toujours. Hein. Ok, donc on peut se déployer un petit drone. Normalement, on est plutôt tranquille. Hein. Est-ce qu'on veut tirer quelque part? On va plus tirer dans les armes parce qu'il y a quand même une probabilité qu'on n'arrive pas à esquiver un... Oh, laser anti-coque MK2. Tire combien de tirs lui? Tire par charge 3. Bon, il coûte très cher donc c'est quand même bon. C'est pas demain qu'on l'a en place. Mais avec ça, on peut battre le boss final. Si on arrive à se mettre un petit pre-igniter. On n'a pas pu l'acheter tout à l'heure, mais... C'est un, on va dire, c'est un stuff qui peut aller au bout. Même si, bon... Ok. Alors, géant, par contre, tu vas... il faut que tu te barres, mais il faut quand même qu'on ait de l'énergie. En reserve, sinon ça va désactiver l'orme. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a du soin? Il n'y a pas de soin? Salut les jeunes! Oh, ça peut être catastrophique. On va quand même tirer dans les armes parce que... C'est pas opti, mais ça évite le drame. L'oxygène. Hop là, exécuté. Hop. L'oxygène c'est bon, on va attendre le bouclier et voilà. Ouais. J'aime beaucoup mon équipage, mais ça m'arrange quand il meurt. Mais je les aime beaucoup, attention.
c'est quoi? Une tempête ionique. Tempête ionique, ça peut être dramatique quand même. Il faut combien? 50, 75? Il faut 150, 215. 215, il faut. Plus énergie. Alors autant vous dire qu'on l'aura pas demain. Et à 100, on pourrait réfléchir à avoir bouclier 3 quand même. Qui est quand même assez glamour. On va plutôt faire la détresse d'abord. Maladie inconnue mais extrêmement virulente. Le problème c'est si je fais ça, le clone peut être malade et pas être cloné si je dis pas de bêtises. Nébuleuse natale des limaces sous contrôle mantis. Décidément, les mantis, on les aura vus. Hein. On va aller faire le monde des limaces, parce que nous sommes des limaces. Détresse, détresse, on prend et après on fonce dans la nébuleuse. Ça me paraît pas mal. Si la détresse semble émaner d'un vaisseau limace attaqué par des pierres mantis, vous recevez ce message sur la fréquence d'urgence. Par pitié, sauvez-nous! Et nous donnerons tout ce que nous possédons. C'est quel vaisseau mantis, attaquer le vaisseau limace. Que ce soit mantis ou limace, il n'y a pas une espèce pour attraper l'autre. Vaisseau limace attaqué par la pierre mantis. On va attaquer le vaisseau mantis. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan, mais. Ils ont pas de TP. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ils ont du sang. Je vais quand même m'assurer que j'arrive à dans les armes avant d'y aller. Ok, on y va. Bon, grande salle, c'est pourri pour le combat, évidemment, hein. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est faire tomber la medbay. Attendez, est-ce qu'il y a un monde où lui, voilà, lui, il se barre. Et là, on le tue. C'est pas vraiment passé comme prévu, mais... Pire des cas, ils prennent des dégâts petit à petit. Ah, moi ça me va, hein. Si le NG reste au pilotage. Tant pis, on les tuera pas par la TP, mais bon, la TP maintenant elle va devenir plus. Comment dire? Situationnel et voilà, c'est plus pour foutre le bazar que. Une fois, mon petit vainqueur, vous contactez les vaisseaux limaces. Affaibli, merci de votre aide. Non, mais hélas, nous n'avons pas de quoi récompenser à l'heure actuelle. Achevé. Les limaces contact. Non, non, il y a erreur. Bien sûr que nous pouvons vous payer. Vous voyez, nous venons de vous envoyer une augmentation. Vous décidez finalement de leur laisser la vie sauve. Ah, voilà les petites limaces, hein. Bon, les ordinateurs de saut ennemi, ce qui double le temps dont ils ont besoin pour calculer leurs coordonnées de saut. C'est pas formidable, mais c'est mieux que rien. 134, on va se permettre un petit shield. Là, au moins niveau bouclier, on est bon. Ce qu'on va faire désormais, c'est améliorer les armes. Contacter. J'accepte. 5 de carburant, c'est quand même glamour. Alors ça m'embête de pas aller dans la nébuleuse, mais bon, les détresses, on est sûr qu'il se passe quelque chose, quoi. Contacter. Au moment où vous comptez se réfugier, un astronef pirate arrive dans le système solaire. L'autre appareil lui servait d'appât. Oh, salaud. Ils ont pas de soin, par contre. Ah, par contre, ils peuvent devenir invisibles. Trône de défense ne sert à rien. On a bien fait de faire bouclier 3 quand même. Typiquement, qu'on ait des vaisseaux comme ça va nous aider. N'importe où, là. Vas-y.
Passer la Med Bay niveau 2, ce serait pas mal. Enfin, la Clone Bay aussi, parce que là, il y a un moment, on va y avoir un drame. Ah, le pilote. Des vaisseaux des réfugiés. Oh! RC 64. On commence à avoir pas mal d'argent aussi. Est-ce qu'on booste ça? Ou est-ce qu'on garde pour améliorer ça? On avait dit non, Clone B, elle est où? Clone B, c'est bien. Et en vrai, pilotage niveau 2, c'est pas perdu. L'intérêt de faire ça aussi, c'est que si on me propose une amélioration de pilotage, au moins ça le fait passer niveau 3. Ça c'est cool. Les scanners, on a vraiment pas besoin. Suimas vous interpelle. Je vous en prie, Votre Majesté, nous ne sommes pas armés et abandonnons l'asile. Approchez prudemment et voyez soudain des armes surgir de leur coque. Ah, on est vraiment coque comme des tables. Nous sommes gentils. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ils ont dit qu'ils étaient gentils. Ouais. J'aime pas trop le projet là. Oh, les dégâts ioniques qu'on a pris là. Oh là là, le buffer qui fait la différence. Allez. Toi va au pire. Merde, vite. Réparer, réparer. Trop tard. Bon, on a perdu, hein. Tant pis. Répare quand même la clone V parce que ça peut être dramatique, on pourrait perdre d'autres. Le problème c'est qu'ils réparent trop vite ces cons. En fait il faudrait viser le bouclier pour le... On va se barrer. Je vous annonce solennellement, on se casse. Boutique, le problème, boutique avec 9 balles. Hein. On va se faire un petit saut avant. Ouais. Une fixation de personnes et ma salutation, ouais, j'ai encore mon de nous font. Non merci, d'accord, demandez si vous voulez être payé. Juste avant que la transmission soit coupée, vous entendez. Ils ne sont pas dupes, tuez l'équipage, que nous puissions dévoss. Mais vous n'allez pas pouvoir partir d'ici sans combattre. Bien du coup, vous mettez des points là-dedans. Hein. Toi, tu peux aller en esquive. Ah, je te l'annonce, la TP n'est plus trop d'actualité là. C'est déjà un armement qui fait moins peur. Hein. Mon dieu, le vaisseau qu'on a pris avant aussi était vénère. Hein. C'est dans la catégorie de vaisseau de si vous les battez, vous gagnez des grosses récompenses. Mais là, quand même, il y a une grosse différence entre un burst laser 1 qui tire 2 tirs et un burst laser 2 qui en tire 2. Hein. Je vais quand même te garder à esquive aussi longtemps que tu veux parce que ça te fait des points. Bon, pas le combat le plus passionnant, mais si on fait comme ça, on est à peu près safe. Donc TP, ça sert à rien de mettre B. Donc,
Bon, nous, en cas de besoin, on peut sauter. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a le brouilleur SPL, donc ils mettent deux fois plus de temps à charger. Vous avez un cas sous nos services sauve en conscience du contenu de notre soute. Ça sent la connerie ça. Hein. Oh, où tu es? Tiens. Oh oui, le sang-froid. Ok. On va quand même réparer ça, hein, pour en avoir besoin. Bon. Boutique. Puis on soignera. Infirmerie, capteur, piratage, champ ionique inversé, téléportation curative, instincteur automatique. Il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, brouilleur SPL, c'est cool, mais en vrai, c'est une augmentation un peu pourrie. Hein. Bon, elle se revend 15, tu me diras. Hein. Pas comme si elle se revendait 2000 balles, mais. Ouais, ça sert à rien. Lasercoque, on le garde, je pense, sous le coude. Puisque c'est, comme je l'ai dit, ça nous permet de finir la partie. Donc, tant qu'on n'a pas mieux à acheter ou en réserve. C'est notre arrière au système de porte. Il veut vous brûler. D'accord. Bah, brûle-moi. Ah, et par contre, on a. Vite, 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 vite. Oh. Tout le monde le déteste. Bah ouais, bah casse-toi. Hein. C'est ce que je te dis, mon. Mon poteau. Est-ce qu'on tente une TP? Ah putain, bien ça. On y va! Ah, c'est pas relié! Oh la dinguerie. Est-ce qu'on a le temps de le. En fait, j'ai peur que le feu il se propage vers là. Oh non, non, on n'a pas le temps. Parce que le feu, en fait, il va aller là et je serai guaqué. Faut se barrer, Michel. Hein. Run, 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 run! Ok. Ce
Vous êtes surpris, un vaisseau n'a vraiment pas les couleurs de limaces, c'est chaud aussi loin. Pour les portes de son, on se met à trouver un signe pirate. Sur sa coque, vous changez rapidement d'arriverie. Rayon HC2, ça c'est le peigne. On a le temps de tirer quand même. Ça me paraît jouable. L'ATP, bon il y a une mètre B donc l'ATP. Et en fait là le problème c'est que l'expérience de nos bonhommes est trop importante je pense pour qu'on les TP en mode kamikaze. On pourrait hein mais. Problème c'est que là il va commencer à avoir trois boucliers. Et l'air de rien notre armement il n'a pas évolué depuis un moment. Parce que je pense que vous rajoutez un laser coque là-dedans. Et c'est pas la même partie. Mais on a dit qu'il nous fallait 210 dollars. Donc autant vous dire qu'on les a pas demain. Voilà. J'aime ce que je vois. Oh oui, vous envoie un message. Votre vaisseau est vraiment trop bien équipé. Tenez, prenez ceci par pitié, ne nous tuez pas. J'accepte. Écoutez, avec. Ils ont su trouver les arguments pour me convaincre. Je suis un homme assez difficile de base, mais c'est vrai que. Collecteur de ferraille. Attention, vous apprenez qu'il prévoit d'attaquer un vaisseau pirate tristement célèbre. Sans doute plein de butin. Dans les parages, le vaisseau effectue tout d'un saut et vous montez pas d'agression. Ok, donc grosse baston. Va falloir booster l'armement. Norme inconnue pour 45. C'est pas prévu. Il y a 1, 2, 3 lasers ici. Il y a du laser là. Tendu, hein. Ça va. Il y a 4 lasers. On a 3 boucliers et 30% d'esquive. On est pas si mal. Pas du tout, il y a 5 lasers. Petit connard. Petit connard. Ah oui. Alors, ça brûle quelque part. Ou je sais pas. 4 de dégâts au shield. Oh le chien de la casse. Allez, charge! Y a la réflexion de fuir est présente. Mais je pense qu'on peut les avoir. Ça touche les portes, on s'en fout. Ça c'est tanké, sans souci. Pour l'instant, on garde tout le monde à son poste. Hein. Il nous faudrait une unité volante qui puisse réparer, mais sinon on met un réparateur. Ça c'est chiant, on va rentrer. Ça c'est très chiant et on peut rien y faire. Ça va. S'ils sont pas synchro encore, ça peut passer, mais TP ça sert à rien. Là, je vous avoue, y retoucher mes armes ou le bouclier avec la bombe, on se casse, mais. Ah, ils sont synchro, fais chier. Oh, les deux touchent en plus. Les 5 ont touché au total, quand même. Vite. Vite, 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 vite. Ok. Si cher. Vite. Ok, faut se barrer. Quoique c'est les armes. On a le temps, on a le temps.
bouclier. Oh, l'emmerdement est maximal. Oh, crevé. Hein. Ils m'ont coûté cher. Hein. Ils m'ont coûté trop cher même, mais bon. Il y a ce côté-là dans ce jeu, c'est quand même une fois que t'as investi dans ton combat, t'as pas envie de le... Tu vois, tu te dis, putain, j'ai déjà perdu 5 points de vie. Si j'en perds un de plus, je gagne mes 32 scrap, par exemple. Et il se trouve, il y a ce côté un peu greedy de savoir quand est-ce qu'on arrête le combat. Bon, ils ont bien visé quand même avec leur ion bombe, hein, parce que quand ils ont touché les systèmes, c'était Shield Warm, hein, c'était pas... Ils auraient pu, voilà, toucher les portes, par exemple. Mais bon. Mais bon, mais bon. On va garder l'argent au cas où il y a une boutique juste après le seul. Prochain secteur. Secteur sous contrôle limace, sous contrôle rebelle. On va tenter limace, comme ça on a deux verres derrière. Bon là on a quand même 130 balles. On se met un petit buffer en armes pour l'instant. Ces limaces sont recours à une stratégie à laquelle vous espérez ne jamais avoir affaire. L'utilisation d'un satellite de piratage à la distance pour saboter votre système de production d'oxygène, suivi de l'activation d'armes incendiaires. Vous allez avoir chaud. Ok. That's a problem. On peut TP. La TP se réfléchit. Toi, t'es comment, Castaldi? Castaldi, on peut t'envoyer au front, ouais. Lui, il est tout seul, donc. On va avoir chaud. Je pense qu'on perd le duel. Ah, c'est pas beaucoup. C'est que lui il va jamais mourir donc faut peut-être faire une mission kamikaze. Mission kamikaze. Mission kamikaze! Et voilà. On va attendre que l'oxygène remonte un petit peu. Bah à ton poste parce que s'il le TP dans la salle Kevin on va pas être très content. Bon, bah voilà. Oups! On avait oublié ce détail là. Vous imaginez, on aurait eu Med B à la place de la clone B? C'était le drame. Bon décidément. Une partie pleine de surprises. Alors j'ai pas besoin d'avoir autant dans le. Là-dedans. Y'a personne, y'a personne, y'a personne. 75-90. J'ai envie de mettre un peu là-dedans quand même. Là, il faudrait. Allez, il faut 90. Je vous en prie, votre majesté, nous ne sommes pas armés, nous demandons l'asile. Ils sortent leurs armes, les salauds. Alors, je crois qu'on a un massif parce qu'il y a quand même deux rayons. On est tranquille, on peut les tuer avec la TP d'ailleurs. We can kill them with the TP. On peut même les tuer à l'asphyxie. Il va falloir réparer l'oxygène. Alors, ouais, par contre, ça va être long là.
Et on est où dans ces points? On pourrait faire les points d'esquive, mais il n'y a qu'un laser, donc autant vous dire que... On a tout notre temps, hein. On finit par mourir d'asphyxie. Ah, tu sens qu'on fait vraiment le combat limace, quoi. On peut quand même faire ça, ça fait de l'XP pour notre tireur. Le problème, c'est qu'il gagne un par tir, donc bon. On est encore assez loin. On en est où niveau paire d'oxygène? Là ça m'embête ce qui est maître. Toi t'es pas encore maître. Niveau paire d'oxygène ça dit quoi? Ça descend. Vie d'oxygène d'un vaisseau ennemi hostile non automatisé. Hop, un petit au fait qui a été fait. Bon bah il va mourir petit à petit, hein. Voilà, il ne reste plus aucun signe de vie à bord du vaisseau, vous récupérez tout ce qu'il y a d'utile à bord. On va contacter les réfugiés. Bon, contacter les réfugiés, un astronaute pirate dans un système, l'autre appareil du service d'appât. Évidemment, tout le monde a la même stratégie. Ça c'est pareil, si on TP c'est un carnage, mais c'est un 2 ça. Hein. Voilà. Le problème c'est que TP là, l'équipage il est... Il y a pas ce qu'il faut, quoique... Tu peux TP pour les foutre de bazar. Ça irait par moins vite. Hop là. Donc on va attendre de voir s'il y a une arme qui est down. C'est bon. Parce qu'avec les deux, ils peuvent quand même tuer ma clone B, donc on va éviter de prendre des risques. Ok, là il est tombé à 1 d'énergie, donc on a le temps. Oh, le duel au sommet Castelli qui perd toute son expérience en esquive, c'est formidable. Contacter le vaisseau des réfugiés. Je pense que ces pirates aient suivi à la trace depuis qu'ils avaient quitté leur planète. En signe de bonne volonté et après avoir vu comment vous vous êtes débarrassé du vaisseau ennemi. Sauf quelques marchandises dont ils peuvent se passer. Oui, on est à 195. Pas de boutique. Je pense qu'on fait ça du coup. On va à son poste. Ça booste notre puissance de feu, ça sera très très bien. Faut juste pas mourir. Qu'est-ce qu'on a? Du missile, du laser, du hacking et des petits drones. Si je fais sauter ça et ça, je peux mettre la défense. Ça va.
Tableau 2. Ok. On respire. On respire, on respire. Le drone, on va le down aussi. Non, c'est que dalle ça. Bon, on a pris quelques dégâts, mais on cogne. Hein. Ah, quand il s'excite là comme ça, c'est. Ça peut être catastrophique. Hein. Good, qui devient 39. J'ai envie de courir. Ah, la quête est si loin. Ah, la quête est perdue en fait. On va essayer de la faire parce que c'était quand même une quête qui avait l'air de rapporter beaucoup, beaucoup de. De goodies. De toute façon, d'après qu'il faut attaquer un vaisseau. D'accord. Boutique, on a quoi en réserve? Bon, on voit rien du tout dans ce qu'on a. Donc 39, ça nous permet de nous soigner un petit peu. On va se soigner, tant pis. C'est pas optif parce qu'il faudra peut-être prendre, faut faire un saut s'il y a quelque chose de bien. Banque d'ADN de secours. Oh. Banque d'ADN de secours, ça se réfléchit. Le reste, on s'en fout. On va aller faire la quête même si ça fait un saut mort derrière. Il y a du missile, on va mettre le drone de défense. Il y a beaucoup de laser aussi. Si terrain de chasse sacré du clan 1, vous êtes proie, activation bouclier. Bien, ça va se vider. Ok, good. Par contre Jackie, il faut que tu temporises parce que là... Ok, casse-toi. L'oxygène est en danger. Ok, ça tient bon. Alors, je sais que la Zercoque fait plus de dégâts sur les... J'aurais ça le vide, hein, mais là c'est vraiment important que je me débarrasse de ces armes. Comment ça? Ah, parce que c'est vidé d'oxygène. Ok. Bon, on a eu le bon réflexe. on a clairement eu le bon réflexe. C'est là où la banque d'ADN de secours serait incroyable, hein, évidemment. Elle nous. Voilà, elle nous. Merde, qu'il est con. Elle nous protégerait d'un drame potentiel. Là c'est pas en ligne de base. Après ça dépend si j'ai besoin de mon défense ou pas. Pour attraper les deux vaisseaux limaces qui sont déjà en train d'attaquer leur cible. L'un d'eux est au contact des vaisseaux pirates alors que l'autre semble se diriger vers une petite cachette spatiale que les pirates ont l'air de protéger. Soudain le premier vaisseau explose en gerbe de flammes et reçoit un message urgent. Pourriez-vous distraire les pirates en vous récupérant le buton? Je propose de faire 50-50. On va se diriger vers la cachette. Hein.
Lorsque vous voyez vous diriger vers la cachette, le capitaine des limaces vous interpelle. Stupide alien, aucun sens du profit, bonne chance. Le vaisseau effectue un saut, vous laissant seul avec les pirates. Y'a pas besoin de drone de défense. Par contre, on va avoir besoin de soins. On a ça, donc ça c'est bon. Voilà. Maintenant que les pirates ne constituent plus une menace, il faut chercher à nouveau la cachette qui le protégeait, mais celle-ci a disparu dans les nuages de débris. Construit un pion vaisseau pirate qui s'avère être bien équipé qu'à sur un moment. Mais j'en ai à foutre. Je voulais une arme! Oh, mais je suis scam. Oh, je sais pas où il est le feu. Ta-ta-da-da. On peut fermer là, on va dire que là c'est bon. Quel feu il est là? Bonne ambiance. Oh, full scam. Parce que je suis quasiment sûr que le vaisseau Lima se barre sans la cargaison. Si on le laisse faire, donc. Je suis con. Je pensais que j'avais fermé. Bon, revenir à la boutique pour du pour le l'ADN de secours, c'est pas, je pense, le move de l'année. Il y a du monde là. Ça va, si on prend que un dégât de ion, ça va. Bordel de merde. Bon, il faut down des armes parce que sinon ça va être une catastrophe. Je vais sauter. Sur la flotte, bon. On a l'avantage d'être dans les nébuleux, donc c'est pas trop grave. Nonobstant, on a pris cher quand même pour rien du tout. Ça, c'est plus grave, ça. C'est bon, on aura la sortie. Monde natal des NJ sous contrôle NJ. Bah autant aller faire le monde natal. Hein. Les NJ, c'est des magasins. Détresse. On peut revenir, ça me va. On a de la medbay. Pour faire la station 22. On va se le mettre quand même comme ça pour l'instant. Est-ce qu'on se prendrait pas un soupçon d'énergie? Comme ça, on peut faire ça. Ah oui, 45, ils deviennent 49. Ça, c'est la bonne nouvelle.
fait, la question c'est qu'est-ce que je veux améliorer ici? Oxygène, c'est cool. Oxygène serait pas mal à améliorer parce que. Il y a un moment, ça va être un drame. Ok. Il nous faut 650 pour acheter le camouflage dans l'idée. Ouh là, il va nous falloir un anti-drone. Ils ont le camouflage d'ailleurs. Ils ont pas de TP, tout le monde va bien, donc je pense que la clone B c'est urgent de la mettre en ligne. C'est le missile qu'il faut à tout prix d'Arona. Par contre, si le missile est caché au milieu du. Aïe, Kikum! C'est ce que je craignais, que le missile se cache au milieu des. Des débris de merde. Du flak, pardon. Excusez mon langage grossier. Bon, il faut tuer, hein, de toute façon. Il faut de l'argent si on veut pouvoir se réparer un moment. Ok, un petit feu. Pour mon plus grand plaisir. Oh, et en plus ça c'est down. Donc visiblement le feu ils n'arrivent pas à le contrôler. Ça va paraître ça. Hein. Ah mais ils n'arrivent pas à le réparer du tout. Mais comment ça ils ont une medbay, pourquoi ils n'utilisent pas leur medbay? Ok. Ok. On va faire ça en fait pour se débarrasser. Oh oui. Ils vont prendre très très cher pour les empêcher de s'enfuir si jamais ils avaient la mauvaise idée de vouloir s'enfuir. Bon c'est dommage, on s'est quand même fait scam 4 points de vie hein, sur le missile. C'est un scam. On va dire que le timing était bon. Hein, si on était un joueur on aurait fait pareil. Mais quand même. On sent qu'on perd le contrôle là. 51 bombes incendiaires, ah oui, on fera difficilement mieux. Hein. Une boutique? Ah oui. Et on peut aller vers la quête, ça me va. Camouflage. Piratage de façon, bruit de diversion, recharge automatique. La bombe S. Pour l'incendiaire, on s'en fout. On n'a pas de quoi la mettre en ligne. Attends, charge d'entretien de 10%, c'est fort quand même. On n'a pas de personnel possible. Isère, parce que votre boutique elle est vachement basse quand même. Hein. Faut aller la chercher. C'est peut-être la dernière boutique qu'on aura. Est-ce qu'on veut un drone de combat? Le problème du drone de combat, c'est qu'il nous sert un peu à rien. Est-ce qu'on veut deux drones de défense? Ça peut être fort. Hein. Deux drones de défense. Ça tire sur les missiles. Évidemment. Mais ça peut être cool. Le piratage peut être bien. Après, notre armement est fort. Moi, c'est plus de la défense que je veux. Recharge automatique est très intéressant aussi. 10% vu le temps que mettent nos armes. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Je pense que ça part sur recharge automatique. Parce qu'on diminue encore le temps de recharge. Ça c'est bien. Lui bon il est loin d'être maître mais on y croit. Hein. Vous dirigez vers la cachette. Parce que nos vaisseaux slug il y a quand même. Ah non ça c'est le pirate je suis con. Je suis en train de dire, il n'y a pas beaucoup de slug dans le vaisseau slug, mais. Ouais, c'est le pirate. Ok. Bon, il faut juste tuer le missile.
Bon, heureusement qu'il avait raté, hein, parce qu'il visait là, ça touchait. Allez. Ah bah super. Ok. On continue à tirer parce que ça nous fait peur. Oh, on a fait tomber le défense et je crois qu'il n'a plus de part de drone parce qu'il me lançait les drones d'abordage et il me lance plus. Donc je crois que le défense ne reviendra pas en ligne. Hey, c'est un vaisseau qu'on pourrait aborder. Hein. Mais bon, il y a un monde où c'est un cauchemar. On va être plus classiciste. Maintenant que les pirates ont subi une menace, vous cherchez un nouveau accès qui protégeait, mais celle-ci a disparu dans un nuage de débris. Ok, bon, ça fait toujours la même fin, ça. Ça. Oh. 12 pièces de drone pour 48 balles. On aurait que 6 drones. On va faire le choix du milieu. Parce que il n'y a pas que le combat final. On va les laisser aussi, évidemment. Alors, où est-ce qu'ils vont TP? On part du principe ça passe, non? Dans le doute. Oh putain. Bon là vous avez vu en action ma souris qui marche pas bien. On joue en condition extrême nous. La difficulté aussi, c'est que nos armes ne sont pas synchro. Contacter le vaisseau civil. Bon, sans camouflage, ça va être tricky, hein. On va garder de quoi acheter le camouflage au cas où on le trouve sur le dernier secteur, évidemment. Après, si on n'a pas de camouflage, il faut bouclier max, esquive max, quasiment. Et on peut discuter, mais. Ah, mais il reste encore un secteur! Oh, je croyais que c'était la fin! Boudiou! Ah oui, bah c'est bon! On fait un petit saut quand même avant. À votre surprise, on vous attaque! C'est des vaisseaux qui font l'amour! Mais le problème, c'est que. On n'a pas d'NJ, donc personne peut nous expliquer que c'est des vaisseaux qui font l'amour. Oh, les drones de défense, 4 boucliers. Ça va être un beau combat, je vous le dis. Bon, on va viser les boucliers de toute façon. Yes, un dégât. Il n'y a pas de salle vide en plus, donc on peut pas accélérer là. Oh, l'emmerdement va être maximal. T'es maître en. Non. Bah, tu vas pouvoir farmer. Oh, on a eu un vaisseau. Ah, c'est dommage.
Peut-être qu'on visait shield ou les drones, ça revient un peu au même, vu qu'il n'y a que des NG, ils vont réparer trop vite. Bon, ça va. Pas le combat le plus passionnant du monde, mais au moins c'est gagné sans trop de difficultés. Ah oui, mais ils ont une clone B donc on s'en fout. Je suis en train de me dire, ouais, on l'a tué, mais bon. Point de vie par point de vie, on arrive. Hein. Quel dommage! Ah, il a plus de pièces de drone. Au moins, il a pex en arme, c'est bien. Enfin, le se détruit, le second vous contacte, vous expliquez la situation. Interrompu puisque Genji appelle consolidation de vaisseaux qui utilisent leur pièce mutuelle pour construire un troisième. Mais j'ai pas vraiment hostile. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait, vous n'en avez pas pour approcher des vaisseaux survivants. Ok, on gagne rien en plus. Ah putain, ça c'est coup dur par contre. Je pensais qu'on gagnait quand même des loots. J'ai envie d'optimiser ma boutique. C'est possible. Est-ce qu'il y a du missile? Non. Les pirates! Alors du coup, j'ai pas utilisé ma... Et merde. Non, non, si je fais ça, ça va être une catastrophe. On se casse. On se casse, Maurice! Infirmerie, batterie de secours, pirate. Oh, il y a même pas le... D'accord. Si tu veux. Bête que Jean il meurt. Parce que Jean il a l'XP des armes, mais le problème c'est que mes armes elles avancent pas donc. C'est une XP précieuse. Est-ce qu'ils vont l'aura vite? En fin de partie ça monte quand même assez vite. On pourrait viser cette zone là, mais le problème c'est que s'il y a une bombe qui explose là-dedans, c'est une catastrophe. Alors on va se soigner. On a encore beaucoup de soins à faire, je ne sais pas. On va prendre moins 5. On aurait pu vérifier s'il n'y avait pas une boutique pas loin, c'est vrai. Petite erreur de ma part. Détresse, bon, on y va. D'autres formes de carburant, on s'en fout un peu. Hein.
sont donc des pirates. Vous essayez que ce pirate ne m'a pas sauvé, tiens, hein. Je ne savais pas, pareil, radar, peut-être a-t-il dû détruire l'autre, à moins qu'il ne cherche à récupérer le butin, mais quoi qu'il en soit, il fonce sur vous en chargeant ses armes. Burst laser 3, ok. Bon. Rien d'insurmontable, vu qu'on devrait tirer avant eux. Voilà. Ok, il a repris le chargement. Salaud. Il l'a pas lâché. Est-ce qu'il... Oui, on reprend vite les points, donc ça c'est bon. Vingt-sept, on m'a pris pour un clodo ou... Non, moi j'y veux beaucoup d'argent. Ah oui, ça crame. On pourrait tenter de TP, mais... J'ai faim. Et finalement, j'ai tout à coup envie de TP. Ah oui, mais il y a vraiment Pixel Off. Oh, Lorraine. Qui a des points en armes. Et en... pilotage. Le problème c'est que Géant, bon, on va les mettre en armes, donc ça m'emmerde. Ma petite Sylvie, tu vas aller au bouclier et tu pourras bouger au besoin. C'est bien, ça nous fait quelqu'un qui peut se déplacer dans le vaisseau. C'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Détresse. Continue, hein. Réacteur de 1. Je suis con? Leur donner du carburant, mais oui, j'ai pas ce qu'il faut. J'en ai que ce soit un homme d'équipage, il m'a confié une question d'échange d'Alimas. Un Solimas mal armé, passant en proximité, vous offre son aide. C'est tout le temps qu'il vous parle, sont peut-être des tarifs qui le font rire. Hein. Dès qu'il voit votre homme, il cesse de glousser, les champs se déroulent rapidement, mais si vous ne pouvez pas de vous demander à quelle bataille mentale les deux Limas peuvent bien se livrer. Ok. Un seau à vide, ça aurait pu être mille fois pire. Ouais, mais ça me sert plus à rien quoi. On va en acheter 3 au cas où, mais... Normalement, secteur final, on va nous filer de l'essence. Et du coup, on n'a pas eu notre camouflage. Ah, on a fait un secteur à chier. Je le dis, on a fait un secteur à chier. Décidément, ils aiment bien cette zone, hein. À vos postes. Eh. Ok, c'est mort. Ok. On panique pas, c'est sous contrôle. Toi, ta place, elle est là. Merde, on a pris deux dégâts du coup. Pas de boutique.
pas de lance-missile, donc ça c'est la bonne nouvelle. L'armement est loin d'être formidable. Par contre, défensivement, il va être solide. Ok, ses armes sont... Mais pourquoi il est... Pourquoi lui il attend en lot 2, il va pas réparer les armes, j'ai l'impression qu'il y a des bugs. Ah non, c'est bon, ils viennent. Ok. Bon, c'est pas ce drone là que je voulais d'armes, mais tant pis. Ah, c'est poussif quand même. Ok, sans lui déjà c'est pas la même. C'est ça, là. Le dernier rempart. C'est une nouvelle position. Réparation, réparation, base. Le problème, c'est qu'on a 200 balles. Donc là, il va falloir réinvestir quand même. Est-ce qu'on pense qu'on peut avoir le camouflage à un moment? Ou est-ce qu'on met une croix dessus? Je pense qu'on va mettre une croix dessus. Je pense qu'on va mettre une croix dessus. On va faire comme ça. Au cas où le camouflage soit pas loin, vous voyez, s'il y a une boutique dans le secteur, on prend quoi. Bon, il y a du drone. Il n'y a pas de lance-missile, donc ça passe, non? C'est quoi? C'est un ioniseur. Bon, c'est chiant, mais c'est pas... Bon, Jackie va nous quitter, mais c'est pas trop grave. Le drone fait le bazar, mais c'est pas non plus. On en a connu des plus relous. Il aurait été TP là par exemple, ça aurait été déjà un peu plus chiant. Il s'éclate, hein. Faire monter les ports niveau 3 ça peut être bien aussi, mais c'est pas urgent. Ah. Au second tac, c'est pourri, vous voulez qu'on sert gratuitement. Excellent. Il est arrivé où déjà ce drone? Il est arrivé là. Oxygène niveau 2, on peut faire ça. Normalement ça devrait... Y'a trop de brèches, y'a de brèches. Du coup, ça ne peut pas.
On peut la virer de toute façon. Pas pour l'intérêt qu'elle a. Et l'oxygène remonte. Il n'y a qu'une brèche. Normalement, l'oxygène niveau 2 permet de stabiliser. Bon, là, il y avait deux brèches. Donc, ça ne pouvait pas, évidemment. Voilà. On va juste rester comme ça, c'est très bien. Bon là on peut pas, malheureusement. On peut tenter là. Activez vos armes. Il y a un mind control. J'ai pas mind control aussi. Oh j'ai rien. Ah oui c'est vrai qu'en termes de... Ouais. Merde, réparez-moi ça. Ok, toi, faut que t'ailles là. Carasse, oh. Kunran. On peut TP, hein. TP ou pas? On a plus droit de nos défenses, vas-y on se casse. Oh vite. Vite, vite, vite! Bonne défense, il nous faut. Au poste, bande de cons. Bon, faut down les robots, mais... Si on peut, en fait, neutraliser la bombe, c'est bien. Parce que la bombe, il y a un univers où elle va là-dedans, quoi. On esquive bien quand même. Pas mal. Je crois qu'il n'y a plus de monde. Il m'a fait sauver les suites de combat. Hein. Brèche. C'est la bonne nouvelle. Survivants, ils ont... Bon, mais on va avoir bouclier 4 et on va prier avec ça. Hein. Oh, elle est là. Bon, évidemment, on la grille pas. On la prend tout de suite. Le camouflage. Bras réparateur. Arme furtive. Oh, recharge automatique. Ah oui, elle est belle cette boutique. Franchement. Est-ce qu'on a des trucs à vendre?
Oui. Putain de souris. Putain de souris. Putain de souris de merde. Je pense qu'on prend recharge automatique. Est-ce qu'on veut un membre d'équipage? La session abordage, elle va pas être fun. Mais après, on a une clone B. Moi, je pense qu'on aura le temps de les éliminer avant l'abordage. Enfin, si la phase précédente, on la gère bien. Qu'est-ce qu'il nous faut améliorer? Le camouflage, un petit point dans le camouflage, c'est pas mal. De l'énergie, c'est cool. En vrai, ça nous assure en fait d'avoir quelqu'un qui va tenir. Oh putain, la réparation a sauté, j'aurais dû regarder. Je peux faire ce saut là. C'est une catastrophe, j'ai pas de chemin safe. Formidable. Là, parce que potentiellement, si on réussit le combat, ça nous fait un. En fait, le bras réparateur n'a pas été mauvais, mais je pense que la recharge est bien meilleure. Enfin. Ce qu'il me faut, c'est du DPS, quoi. C'est vrai que j'ai le camouflage. Putain, faut que j'y pense. Venez pas me faire chier. Kit. Souris de merde. Trente-trois. Qu'est-ce qu'on améliore? Soit on met un petit point dans le camouflage. Bon, TP, on s'en fout, ça c'est sûr. Shield, etc. Arme, c'est pourri. Un point dans le camouflage, en fait, ça fait un buffer. C'est pas perdu. Toi, reste là. Les armes, ok, faut se barrer. On veut pas faire ce combat avec les armes. Down, je pense. On va d'abord regarder. Cette zone-là est safe. On y va. Par contre, le combat d'après, on n'aura pas le choix. Faudra. Quoi qu'il arrive, il faudra s'en sortir. Mais là, avec les armes down, c'est une horreur quand même.
On va tuer. Cinquante-cinq. Bon, en vrai, je peux te laisser là au cas où. Pour simplifier mon jeu. Ok, bon. Là, quoi qu'il arrive, faut combattre. Ça quitte. Hein. Clone B, c'est le meilleur. J'ai eu peur. Hein. Franchement, quand j'ai vu arriver dans cette zone-là, bon. Ok, c'est un des meilleurs qu'on pouvait espérer. Normalement, il n'y aura pas besoin de cloner grand monde. Ok. Saloperie. Bon, ça on peut rien y faire. Ok, toi voilà. On accepte, on a le camouflage on garde en mémoire. Hein. Pour l'instant, il n'est pas. Il n'y a pas besoin. On cloque tranquillou bilou. Voilà. Il va bientôt cloque. On panique pas. Suis convaincu qu'il va bientôt cloque. J'avais le temps de mettre ma salle, c'est dommage. C'est pas grave. Non, tirer, non, c'est pas pour toi, quoi. Ok, fonce vers les armes, toi. Oh, attendez, c'est hacké ça. Oh merde, oh merde. Et il va mourir. Est-ce qu'elle est hackée? C'est une catastrophe. Oh, ça s'est tellement mal passé sur la fin. Bah ouais, bah vite là. Hein. Qu'est-ce que je te dis, si t'arrives pas à éteindre le feu, hein, connard. Le pire rockman du monde, quoi. Mais bon, j'ai mon camouflage. C'est vrai que je pourrais camoufler, mais. Ça a été une catastrophe. Ah non, c'est encore en feu. Bah oui, parce qu'en fait, là, c'est en feu, donc. Mais écoutez, c'est la fin. Je suis dégoûté. Je vais être honnête avec vous. Putain, comment ça s'est passé si vite? On a chopé missile sur la clone B sur les armes. Il est mort. Du coup, il a pas pu être cloné. Mais notre. Enfin, je regarderai la fin de cette vidéo, mais il me semble que notre drone de défense n'a pas tiré. C'est-à-dire qu'il a regardé littéralement les missiles passer à côté de lui. Bon, je vais regarder. Peut-être que j'avais le cloak. Si j'avais le cloak, c'est my bad. C'est clairement moi qui ai fait une erreur. Par contre, si j'avais pas le cloak, c'est vraiment le drone qui me l'a mise bien profond. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Même si nous enchaînons les échecs sur FTL, je suis convaincu que nous y arriverons un jour. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils et si vous êtes aussi dégoûté que moi. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Ciao, ciao!